Oups, la minute d'attente est déjà écoulée. Pourquoi j'ai fait une liaison avec un cul là? On sait pas. Hein. On sait pas. Ah! J'ai oublié un truc aussi. Légèrement. Je suis beaucoup trop bleu. C'est pas grave. Ok. Alors, on a fait un petit peu de. On a fait un petit peu de la création de personnages tout à l'heure. Et à présent, il est l'heure de passer sur un jeu. Et merde. Pourquoi ça marche jamais quand je fais les transitions? Si je fais ça. Voilà. Il a un peu clignoté, mais ça marche. Ah oui! Ah! C'est vrai que j'ai fait des modifications, mais oh, je sais pas ce que ça donne. Je suis pas 160 FPS normalement. J'avais complètement oublié ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, depuis la dernière session de jeu, je me suis attelé à faire ce qui était secondaire. Il y avait des courses, je les ai faites. Il y avait des, je sais pas quoi, d'arrestations, je les ai faites. Il y avait une mission au coup près que j'ai essayé 50 fois en live et j'ai pas réussi. Je l'ai faite. Donc du coup, voilà. J'ai changé la tenue aussi, j'ai acheté des vêtements parce que ça te donne des boosts d'XP. Donc je les ai pris. Et donc voilà, globalement, tout est fait. Donc, on va continuer tout simplement. Et puis je vais essayer de garder un œil pour voir ce qu'il en est au niveau du framerate. Parce que je sais qu'en 30 FPS, c'était... bizarre, j'ai l'impression que le machin a pété un câble, donc on va voir ce qu'il en est en 60, si ça corrige ou pas. Enfin je dis 60, mais est-ce que c'est pas 50? Je sais pas, honnêtement je sais pas, je vais pas avancer l'information parce que en réalité j'en sais rien. Donc on a pris une petite boisson, la petite boisson, et on va prendre une petite tisane avant de partir faire je sais pas quoi. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. En tout cas, le poulailleur ne sera pas de sortie. Il n'a pas pris sa tenue du poulailleur. Il a pris sa petite tenue, nouvelle tenue, hein, de bonus de triade, je crois. Parce que de toute façon, là, nous allons faire la mission de la triade. On va voir l'oncle Po. Je sais pas qui c'est. Alors, on a gagné des voitures en faisant des courses et des missions. C'est n'importe quoi. Mais on va rester, je pense, sur celle-ci parce qu'elle va vite. Et on va essayer d'être plus efficace qu'autre chose. Allez, c'est parti. Ah, mais je peux pas jeter un oeil au framerate du stream et conduire en même temps, en fait. Ça me semble être un petit peu compromis. Alors, on va voir donc le pot, là, je sais pas qui c'est. Bonjour. Mommy Pa. Oh. Who's he talking to? Oh, monsieur Po. Mommy Pa. Wait, you're coming with me. Looks like you're gonna meet Uncle Po. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up. Got it? Yeah, boss. Of course. Good. Pourquoi il s'en prend à lui? Let's go. C'est chelou. Ils étaient pas potes. Ils papotent. Non mais ils sont potes. Ils sont des parapotes. Non c'est vrai potes. On sait pas. Ok. T'es sûr que tu veux pas prendre ma bagnole? Elle était... Ah non elle est là-bas. Je comprenais pas où elle était passée. Oups. You pissed off the wrong people, Wayne. Look, at least we kept Siwa alive. Yeah. That may be just what saves us. I'm gonna bump Uncle Po's car. Well, when that does it, it's not fair, you know? Look what I built. The night market. All of North Point, really. And Dog Eyes gets greedy. What was I supposed to do, huh, Liwabingwatanga? Just what you did. Look, you can't back down from that asshole. You and him got history, huh? Well, me too. Je me serais bien arrêté pour manger une petite bol de nouilles, là. Anything happens to me, you look after our people, okay? We're a family. Family has to stick together. Duke, Conroy, they're good guys. But they're not gonna be leaders. I know Conroy gives you shit, but you've proven yourself now. And he'll see it. Even if he doesn't want to admit it, he'll do me a favor. Look after Peggy and my mom, too.
This can be rough business. But one thing we got going for us is each other. Brother, you know. I know people use that word more. But it means something to me. And it should to you too. Not just that we're Sanayi. True brothers. Blood. We look after each other. And we look after the people we love. Okay, Winston. Ok, police, les mains sur le capot. Oh merde. Not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Porn. He even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. Choice. It's the way it's done, Way. Besides, you can't hide from Uncle Paul. If he wants you dead, you're dead. And I'd rather see it come, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid. You hear me? Okay. Déjà, j'essaie de pas couper les dialogues avant la fin, parce que le chemin est beaucoup trop court. Par contre, on constate que la mission nous amène à Central Park. Première fois que l'émission nous y amène. Ah, l'émission principale, je veux dire. Hey Winston, what's wrong? You look a little pale, man. That Dog Guys tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago, without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Je peux rentrer moi ici? Merci. Merci monsieur, monsieur rétréci. Tu peux faire des bêtises. Ah, c'est vraiment le vieux monsieur du coup. Ah, Winston. Come in. Wesh pou. Sit down, have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. Oula. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. J'ai appris à traverser les textures. Discretion used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siwa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? Comment on l'utilise de ouf. In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. C'est trop bien qu'on l'entende juste respirer en mode. Winston, relax. I know you were provoked. Ouh là là. Oui, c'est sûr pas bon. Ah, c'est trop bien. God damn it! I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong-arming street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Ah non, mais je vais décrocher mon combiné tout de suite. Enfin, sauf si j'ai une mission à côté, quoi. Take the car across the street. Give you a chance to see what it's like to be in the big time. Alors, je crois que tu te rends pas compte du véhicule que, des véhicules qu'on a acheté du coup. C'est quel côté? C'est de ce côté? Ah, j'ai du mal. Hein. Quand j'aurai du mal jusqu'au bout. Retrouver Roland, la fourrière. Attends, mais c'est ici, là? Ah, ça paie pas de mine, hein. Ok. Ah! Ah non, le véhicule est pas mal. Yeah, you alright? Stay ready. I always am. Look,
meantime, I'm getting swamped with a sweating crap. I may need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Bull than a groom. But stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. Généralement, j'essaie juste d'écouter, mais il y a des fois ça enregistre pas quoi. Je ferais mieux de lire systématiquement, mais flemme. Monsieur, la gravité n'a pas d'emprise sur vous, est-ce que je constate? Est-ce que vous venez vers moi? Non, vous ne venez pas vers moi. Monsieur, vous me faites un peu peur, mais je vais quand même essayer. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à pouvoir vendre cette petite banquette arrière sur le bon coin, c'est ça? Tu es en train vraiment de... Ouais? Ok. Et je dois faire quoi avec toi? Parce que moi, là, je peux rien faire. C'est quoi l'objectif? Retrouver Roland. Bah, il semblerait que j'ai trouvé Roland, là. Je peux sauter dessus. Vas-y, Roland. Vas-y, Roland. Vas-y. Vas-y, encore plus. Alors Roland. Alors Roland, il faut que je te trouve. Roland? Ok, je vais le ramener Roland, peut-être que ça arrangera les choses. Allez Roland, on va visiter, t'inquiète pas. Roland? Non? Roland? Tu as un joli collier de jade. Roland, je vais te taper. Il faut me parler, Roland. Voilà, je t'ai tapé, Roland. Attends, t'as 26, Roland. Toi, t'es trop fort, Roland. T'as un petit coup de genou? Oh, incroyable, ce Roland. Roland, je vais t'écraser. Voilà, je suis désolé, mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut qu'on prenne nos dispositions. Et avec la voiture du boss. Alors. Un peu compliqué parce que la caméra, faut pas chercher. Ok. Roland? Roland, c'est gênant, là. Ça commence à être gênant, cette histoire. Roland, il va falloir relancer la mission. Bon, Roland, je t'amène au patron. Je vais tout lui dire. Je vais dire que tu m'écoutes pas. Oh, putain, Roland, je t'ai bloqué. Putain, on l'a bloqué, Roland. Oh, fais chier, Roland est bloqué. On peut relancer la mission, là? Annuler la mission. Toute progression dans son gardien sera perdu. Oui, vas-y, c'est pas grave. Hein. Parce que de toute façon, là, Roland, il veut pas. Hein. Oh non, faut tout refaire. Oh non. Bon, je vais juste prendre ça, je pense, et pas plus. Oh, petit, c'est peut-être la tisane, c'est vite fait, quand même. Oh, mais non. C'est pas cool, ça. En vrai, c'est pas cool de ouf. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Le poulailleur en a connu l'autre. Et il pleut encore. La pluie ne lâche pas. Je sais pas si à Hong Kong, en fait, il pleut genre vraiment souvent. J'imagine que ouais. Au vu de sa position géographique, je me dis que c'est pas déconnant. Mais je me dis aussi que j'en ai au cul de foutue idée. Alors on va pas prendre des fourgons et tout, on va se calmer. Ah mais c'est trop nul, on va devoir se retaper. Bon, les cinématiques, normalement, on peut les passer. On les a déjà vus, donc on va pouvoir les passer. Par contre, j'ai un peu peur pour le trajet. Au moment, il est pas si long que ça. Ok, on peut passer. Le trajet et on va à Central, enfin, donc c'est pas si loin. Pas faire d'accident. Ouch. Parce que je rappelle que si on casse des trucs sur la route, on perd des points de police. Et c'est pas ce que j'ai envie. Ce n'est pas selon le poulailleur en vie. Le poulailleur cherche à être discret. Ah, le problème c'est qu'il nous crie dans les oreilles donc Ah, scan. Non mais il va reprendre.
Je sens que... Ouais, voilà. Je sentais qu'il trépignait d'impatience à communiquer d'autres informations. Chose qu'il apprécie. Ouais, après, je suis genre, bon, communiquer des informations. Bah écoute, j'essaie d'accélérer avec mon tibia. Pas ouf. Ok, on va. Pas faire d'accident. Je crois qu'il y a des succès dans le jeu où tu dois faire les missions parfaitement. Ils considèrent que c'est des missions goldées. Donc il faut que tu gagnes le maximum de points en triade et en police. Donc ça veut dire que tu dois pas faire d'accident, tu dois rien toucher en voiture pour les points de police. Et en plus, au niveau de la triade, pour faire le maximum de points, je sais pas comment tu fais. J'ai utilisé le décor pour vaincre les adversaires, ça rapporte beaucoup de points. Mais je ne sais pas plus quoi. Bon là par contre on est en train de découvrir que du coup il y a un truc qui est pas mal. C'est que le dialogue il continue si t'as fini le trajet. Ouais mais non, parce qu'il y a des moments où les dialogues ils ont été cut. Donc non, c'est pas ça. Oui mais allez blabla, on sait. On a déjà eu. Je cherchais Roland mais Roland il est bloqué. Roland était tellement intéressé par cette banquette arrière de véhicule que bon, ça fut compliqué quoi. Je vais essayer de m'occuper de Roland quoi. Oui monsieur Poe, je vais chercher Roland. Oui monsieur Rick, Ricky, je sais pas quoi, je vais chercher Roland. Alors, oui, okay, oui d'accord, je vais d'abord chercher la voiture et puis après je vais chercher Roland avec la voiture. Pourquoi je vais chercher Roland moi? Ah oui, pour recouvrir les dettes. Ok, parce que... Qu'est-ce que tu fais la caméra? Pas croyable. Ah là là, Winston. Yeah, you all right? It's gonna be okay. It's gonna be work to do. A lot of work. Stay ready. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with a sweating crap. I may need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a Red Bull than a crew. But stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Ok. Voilà. Vite Roland avant qu'il s'intéresse à cette banquette. Non, 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 non. Non, 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 non. Yes. Hey, Roland Ho. Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Oh. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you. Always looking for a fight. Ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, when can we get to work? Okay, big man. Motai-lei-din-jou. Patsy Wing. Bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Je préférerais les arts martiaux. Mais j'avoue que je serais plus partant pour faire la bagarre. Je vais faire la bagarre. Mais pas la bagarre avec les fusils. Oh, just checking in, man. I heard things were kind of intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Well, Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Mais c'est quand même bizarre parce que le jeu, je l'ai déjà fait. Bon, il y a très longtemps, mais bon, il y a littéralement 10 ans en fait. Mais je me rappelle pas. Ah, cette mission ne me dit rien du tout, quoi. Putain, on est où, là? You're gonna pay up, you understand? À s'enfuir? Shit, that's a lot of muscle. Putain, oh là là.
Le son de leur moteur est parti plus vite que leur voiture. C'est qu'ils doivent vraiment avoir des moteurs assez incroyables. Viser. Oh, je savais pas. On a bien enlevé les notes. Incroyable. On peut tirer dans les pneus, j'étais pas sûr. Bah attends, mais c'est trop bien ça par contre. Trop puissant. Rattraper. Ah. Mince, j'ai pas vu. J'étais pas certain de votre existence à vous. Qui est à travers. On s'est occupé de tout le monde. Ah, vraisemblablement, il y a un autre véhicule qui arrive. Est-ce que le son du moteur va arriver avant? On sait pas. Oh, tu me gênes un peu, toi. Voilà. What the fuck? Est-ce qu'on peut tirer dans le réservoir? On peut peut-être tirer dans le réservoir et genre... Ça fait rien. Ça fait boum. Ça fait vraiment du boum. Ça fait boum. Ouh, ça refait boum. Tout va bien. Bon, j'espère qu'ils vont pas m'embêter avec la destruction du décor au niveau du score de la police. J'ai eu très très peur là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut choper les véhicules. Eh ben, let's go. Attention. Le poulailleur déploie ses ailes. Ok, non, le poulailleur il essaie de tourner déjà. Oh pétard, va vite. Ah. Non mais... Ah, j'étais bon là. Le poulailleur qui bat d'une aile quoi. Ah bah voilà. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. I'm sorry. I don't care if you're sorry. I care if you have the money. I don't, I'm sorry. Hey, stop saying that. Sorry. Look. The car. Who has drugs in the back? That should cover my debt. Don't hurt me. I'm sorry. Damn. What the fuck? Who's gonna do anything that bad? Mais du coup, ça va? You got the money? No. Next best thing, though. Got a car loaded with dope. All right. What I have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. Ok. Eh ben, on va essayer de pas l'abîmer plus que ce qu'elle n'est déjà. Parce que j'ai quand même un véhicule qui est dans un état assez pitoyable. Ok. Ok, attention, dans le coffre j'ai la drogue. Oh mon dieu, si Roland il va être content. Enfin, quoi que, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Je crois qu'il voulait du clinquant lui. Il voulait de la monnaie sonnante et trébuchante. Hmm. Franchement, là je vois pas comment faire un triple score de triade. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Bref, on a du pognon. Oh, on a une planque à centrale. On a Roland, job de recouvrement de dettes. Ah, du coup on peut faire ça pour se faire de l'argent. Et on a la tenue de flambeur. Ouais, bon, ça c'est pas fameux quoi. Pas très fun. Chaîne, il faut qu'on joue tout de suite. Ok Raymond. Mais non, pas le psychologue. Oh non, on avait dit pas le psy. J'étais psychologue dans cette ville de fous. Raymond. Et j'attendais mon client. Shen, finally. Where the hell have you been? Look, I... Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. I would have put the entire operation at risk. What does Pendrew say? You know, he's not your handle, Wade. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass.
Look, Raymond, I am doing what needs to be done. No, no, you've crossed the line, Wade. I'm going to terminate this operation. You can't do that. Pendrew won't allow it. Pendrew may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendrew that I just met the chairman of the Sun on Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwal got out safely. It'll be in my report, and maybe this time you'll actually read it. Je pense que le vieux Po, il doit apprécier encore plus Wei après la rencontre, parce que Wei a bien fait en sorte de dire que c'est son chef en charge, donc son supérieur hiérarchique, chose qui est importante dans la triade, qui a eu les bonnes idées en fait. Il essayait pas de s'approprier, même si c'était ses propres idées, il essayait pas de se les approprier parce qu'il y a la hiérarchie qui est très importante dans la triade. Et je pense que cet aspect-là a dû kiffer au vieux Po. Donc à mon avis, on va monter très vite. Hein. Combat inégaux signalé sur une île secrète. Je vous ai pris un ticket. Le ferry part de Chandral. Bah, je suis perche. C'est incroyable. Oh, ouf, on déverrouille des trucs. Ouh, il y a l'affaire là-bas. Qu'est-ce que c'est? What? Quoi, c'est une course? What the fuck, bro? Mais ici... Water Street. D'accord, bah c'est une course. Ah, mais ça doit être un truc où on doit arrêter la course. On doit détruire les concurrents. C'est une drôle d'opération. Ok, on a ça, job de flic. Bon, c'est pas intéressant non plus, en vérité. Je suis pas certain de les faire. Je pense plus faire les trucs comme ça. Les perdants seront gagnants. Ok, à bout du chemin. Ouais, ok, d'accord. Mais je suis surtout en train de capter qu'on a une nouvelle planque. Et par contre, elle dit qu'il y a un truc de combat sur l'île. Tournoi du Zodiac. Est-ce qu'elle voulait parler de ça? Ou est-ce que vous voulez parler... C'est Mortal Kombat en fait, on va choper le ferry là et il va nous amener sur l'île. C'est quoi le délire? C'est chelou un peu, non? Un peu chelou. Parce que c'est pas le même truc là. On voit que ça, c'est club d'arts martiaux. Ça, c'est un tournoi du Zodiac. Donc c'est chelou. Alors, attendez, on a une planque ici maintenant. On a rien à récupérer. Hein. Voilà, je crois qu'on a rien à récupérer. Hein. Ok, une petite planque. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la possibilité d'améliorer un petit peu cette planque. Alors, je sais pas à quel niveau, parce qu'elle est déjà quand même bien fortunée. En vrai, ce que j'aurais préféré, c'est garder la planque du début et de pouvoir améliorer la planque du début, mais jusqu'à ce que ça devienne un truc genre comme ça. Genre même en évoluant, on pourrait prendre l'appartement mitoyen et péter les murs et tout. Et ça aurait été drôle. Ça aurait été sympa. Ok. D'accord. Bah on visite. Tu dis... Visite. C'est bizarre ce... C'est bizarre cette plante là. Ouais, pas chou. Est-ce qu'un jour... Est-ce qu'un jour... Le poulailleur... La tenue du poulailleur... Nous connaissons le poulailleur dans la nuit... Le poulailleur discret, le poulailleur justicier. Mais le poulailleur a raccroché. Non, nous ne ressortirons pas la tenue du poulailleur. C'est quoi ça? Résistance aux balles. Diminue de 15% les dégâts causés par balles, ok. Pendant les combats, vos attaques feront plus de dégâts et votre jauge de combat se remplira plus vite. C'est quoi ça? Tenue de justicier des triades. Mais pitié, quoi. Qu'est-ce que c'est? Flambeur. Ça sert à rien? Ça sert strictement à rien, votre truc. Ok, pas Osef. Osef sur 20. Je pense qu'en termes de tenue, j'ai ce qu'il faut. Honnêtement, je pense pas que j'ai besoin d'en changer ou quoi. Est-ce qu'on a un truc en plus dans les frigos? Bonjour, monsieur le frigidaire. Enfin, le réfrigérateur. Bien entendu. Bon. Tu vas te booster les dégâts de coq. Le corps à corps. Ah, mais j'ai pas accès à d'autres trucs. J'aurais bien aimé avoir accès à, je sais pas, une petite tisane. Non? Un petit plat de nouilles? Non plus? Vous êtes sûr? Ouais, y a rien. Hein. Y a rien. Un peu dommage.
Donc vraiment, il n'y a pas d'avantage à être dans cette planque. Mais vous allez arrêter de gueuler, oui. Pas incroyable, ça. Est-ce que je gueule, moi? Non, bah non, je gueule pas, moi. Je fais preuve d'un grand respect. Hein. Eh ben oui, hein, c'est important. Bon, eh ben écoutez, parfait. Ouais, on peut pas les casser à la main. C'est vraiment dommage. Un petit parking là-bas. Attendez. Parce que du coup... Oh, on peut appeler Roland maintenant. Intéressant. Par contre, en termes de rapport, on a eu quoi là? On a eu... Non. 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 David Wallin, oncle Po. Ah, ça doit être ça. Tête de dragon, chef des Sunhoni. Po aime donner l'impression d'un grand-père inoffensif. Il consacre de l'argent et du temps à des œuvres de charité et c'est un bienfaiteur reconnu dans les quartiers contrôlés par les Sunhoni. Oh là là, le pavé, wall of text. Même au sein des triades, il a cultivé son image de négociateur et... Hop. Et d'homme d'affaires pragmatique, mais son apparence respectable est à l'opposé de sa carrière de criminel. Son ascension au sein des Sunhoni a été marquée par une violence extrême à tous les niveaux. Il a relancé les contrats d'exécution et on le soupçonne d'être le principal acteur de l'alliance de la triade avec Sonny Woo. Il laisse Big Smiley, voir le rapport de Dragon sur Big Smiley, gérer les opérations courantes dans son secteur pour garder les mains propres. Mais la plupart des bénéfices atterrissent dans sa poche. Contrairement aux autres barons de la triade, Po assassine le plus souvent en secret et ses concurrents ont tendance à disparaître soudainement. À court terme, cette manière d'opérer n'est pas aussi spectaculaire qu'un vrai meurtre. Mais au fil du temps, le message est clair. Ceux qui se sont opposés à lui se sont volatilisés sans laisser de traces. L'emprise de Po sur la triade reste totale. Les rapports indiquent que les autres bâtons rouges se sont résolus à attendre qu'il prenne sa retraite ou meure pour espérer prendre un jour sa place. Eh ben, Wall of Text, mais Wall of Text, c'est intéressant. Il est dangereux, le monsieur Po. Non, je pense qu'on va faire peut-être les objectifs un peu secondaires. Mais pour ce faire, il va nous falloir récupérer un petit véhicule. On va prendre un petit véhicule. Donne-moi le petit véhicule. Oui, 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 le petit véhicule. Ouais, quoi que. Ouais, vas-y. On va rester classique. De toute façon, on voit que les quêtes, elles ont tendance à nous donner d'autres trucs. Donc on va pas se gêner à prendre le gros véhicule. Gros véhicule qui va... Waouh, tous ces véhicules de poulailleurs, là. Il y en a trois qui suivent, ça fait peur. Oh non, mais lui, il a des quêtes à la con à chaque fois. Un good driver, oh, purée. Tu vas où? Mais... C'est Calvin. Attends, mais je vais dessus, mais je vais d'abord venir en bagnole parce que je t'aime pas trop. T'as dit un good driver. Hein. Bonjour. Il a juste triché en carte. Enfin... T'as pas l'impression de tirer à la portion ou quoi? Oh, damn it. Ah oui, par contre, j'ai capté que maintenant, vu qu'on a la compétence de sauter du véhicule à un autre, d'un véhicule à un... Oh merde, comme ça. On peut choper les fourgons. J'ai pas trop compris le délire, mais... Faudra tenter. On est littéralement devant un commissariat, on est en sens inverse, sur une voie unique. Oh, ça marche. Ah bah là, un castor. Ouais, merci. Ah, c'est toujours quelque chose de ces missions à lui. Ah oui, la réputation, on est à fond. On est complètement à fond. D'ailleurs, je vais vérifier. Amélioration. Réputation. On a déverrouillé du coup 40% de ristourne sur tous les véhicules. Bon, c'est pas très intéressant. Et des boosts passifs.
Les effets de la nourriture, de la santé durent 3 fois plus longtemps, les boissons énergisantes, le thé, les massages 2 fois plus efficaces. Ok, pourquoi pas. Bon, la santé, ça, on les a récupérés depuis le début. J'ai pas de points à placer. La police nous manque un point pour avoir les grosses munitions. Et la triade, ça avance très lentement. Et encore, j'ai une tenue qui est faite pour augmenter notre XP de triade. Donc, ça va être compliqué d'aller plus vite. Les statues, on n'y a pas accès pour le moment. Donc, il va falloir avancer. Les dernières, en tout cas, qui manquent, sont dans des lieux que, à chaque fois que je m'y suis rendu, ils étaient fermés. Donc, on va pas faire mal. Attendez, tant qu'on y est. Tant qu'on y est ici. Le cabaret. Le cabaret, et bah vous allez voir, parce que je crois que. Puisqu'on a déverrouillé un nouveau logement. Normalement. Yes! Ça fonctionne. Il est là, il va vendre un truc. Une table basse et un tapis. Got anything a little different? This place will be the perfect complement to your interior. Bah, let's go. All right. I'll deliver it myself. Will you be home later? Perhaps you could help me slide it into place. tu vas bien te débrouiller en tout cas. Moi, je vais juste rentrer à la base et trouver la nouvelle table basse avec son petit tapis. Un petit tapis. En poil de crackhead. Ok. Est-ce qu'on fait la petite... Parce qu'en vrai, je connais pas les emplacements des autres. Si, je crois qu'il y en a là, en vrai. En vrai, je vais aller voir. En vrai, j'ai envie d'aller voir parce que je crois sincèrement qu'il y en a là-bas. Ah bah c'est mieux de rouler dans le bon sens. Je sais pas pourquoi. Il y a comme moins d'opposition. Alors éviter de traverser le commissariat. On vient de fuir il y a 2 secondes avec ce même véhicule. Bon ça va, ils sont relativement amnésiques. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Il y a une certaine difficulté à maintenir le véhicule correctement de par sa vitesse exacerbée. Surtout quand on est en plein centre-ville, quoi. Ok. S'il est là-bas, ça veut dire qu'on peut choper déjà 2 trucs. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y en a 3? Merde, je me suis trompé. Est-ce qu'il y en a 3 ou est-ce qu'il y en a 4 améliorations par appartement? Je me rappelle pas du premier en fait. Je sais pas, mais est-ce qu'il y en avait dans le premier? Je m'en souviens de 3. Mais... Putain. Mais je me demande s'il n'y en a pas 4. Mais qui se prend le mur, quoi. Insortable. Il y a un groupe de gangs. On sait pas ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a le monsieur? Oh, yes, c'est le monsieur. Yes, yes, yes. Alors, qu'est-ce qu'il va vendre, lui? Un ensemble de canapés. Ce n'est pas le top, mais votre plan que serait quand même plus vivable. 14 000, quand même. What are you selling? Hey, iron corset. Il est presque même pas abîmé en étant tombé du camion. Ouais, tu vas me le livrer, mais peut-être pas de la même manière que tu l'as récupéré, quoi. J'aimerais bien, genre, déjà le recevoir. Ça serait déjà pas mal. Est-ce qu'on va le chercher? Parce que je sais qu'il y en avait au moins une autre personne qui doit vendre quelque part... le truc pour améliorer la planque. Mais il y a peut-être deux. Je vais pas faire mal. En vrai, j'ai envie d'aller voir. Faites pas attention, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. De toute façon, vous retrouverez. Ah bah là, voilà. Ah, c'est une belle occasion. Voilà. Oh putain, ok, rattrapez. Hop. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait piquer des camions comme ça. Et donc voilà. On a un camion. J'en fais quoi? Oups. Oupsie. Ça va être compliqué cette histoire. En plus, je suis à centrale. Oh, il est lent.
Oh, le jeu est trop sympa. Lieu de livraison. Bah, let's go. Ouais. Bah, je vais livrer de ouf. Hein. Je vais livrer ça bien. Je sais pas ce que ça fait, par contre. Je l'ai jamais fait. Alors, ok. J'ai peut-être menti. Je l'ai peut-être fait il y a 10 ans. Littéralement. Mais ouais. Je sais vraiment plus ce que ça fait. C'est juste de l'argent ou on a des trucs? Suspense. Je ne sais pas. Oh. Oh, c'est décevant. Oh, bah, ce compte-là, je préfère encore appeler Tran. Et des fois, tu vas récupérer des véhicules qui vont te valoir 90 000. Voilà, parce que là, 10 000, c'est un peu nul. Hein. Honnêtement, c'est un peu nul. Je veux pas dire, c'est pas ouf. Petit parking là. Oh, petit parking. On va pas aller voler un véhicule pour rien. Si on peut éviter de risquer des petits problèmes. Bah, attends. C'est quoi ça? Vive comme nous, mais t'es, tu vois pas que je suis en train de sortir un camion blindé de police? C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Oh, on a la radio en plus. On a complètement la radio dedans. Faudrait que je fasse peut-être 2-3 missions bleues là pour voir ce que c'est. Les interventions. Parce que je sais pas trop ce qu'il va y avoir là. Il y a eu parfois des trucs variés en vrai. Bon, rien de bien exceptionnel, hein, mais bon. Si on peut checker quand même vite fait ce qu'il y a, ça peut éventuellement être sympa. Alors, c'est pas comme ça que ça s'utilise des fauteuils. Le vieux pot m'a fourni un nouveau logement, une planque, comme on dit dans le milieu. Mais j'ai quelques doutes quant à la population locale. Je me demande s'il y a un message derrière ça. Est-ce qu'ils considèrent que je suis moi-même comme ceci? Un petit peu dérangé du ciboulot? Je ne sais pas trop, Bon, on m'a livré mon canapé, ma table basse et mon tapis. Ok, on a un petit coin sympa, là. Ouais, c'est pas ouf non plus, hein, mais bon, pourquoi pas. La télé, on en a déjà une. Qu'est-ce que ça va être, la prochaine chose? On a déjà une table. Peut-être améliorer le bureau, là. Je sais pas. Par contre, on est d'accord que c'est complètement horrible d'avoir la douche comme ça, vitrée, dont visible depuis toutes les pièces. Visible depuis l'extérieur. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Je trouve ça un peu chelou quand même. Enfin, après, c'est peut-être un petit peu personnel, mais ouais, je trouve ça un peu chelou. Ouais, tant pis. J'ai peut-être reçu un petit peu le message qu'il souhaitait me faire passer. Un message peut-être un petit peu caché. Mais tant pis. Le poulailleur n'en prendra pas ombrage. Le poulailleur va prendre sur lui. Il va s'empresser d'aller faire des trucs. Mais alors quoi, je sais pas. J'ai vu qu'il y a aussi des succès de jeu. Genre, tu dois acheter tous les vêtements. Tu dois acheter tous les véhicules. Mais ça coûte une blinde. Je comprends pas comment... Enfin, si, il faut faire plein de quêtes secondaires, en fait, pour faire ça. Par contre, en fait, non, les objectifs bleus. À mon avis, il va falloir qu'on se mette en tenue de policier. Parce que actuellement, amélioration, police, on a tout un niveau à prendre. Et ce niveau-là, il est super long à prendre. Donc, à mon avis, on changera de tenue. Change d'objectif, encore. Et tu veux vraiment pas? Moi, je veux ça comme objectif. Bon sang. Je veux les inconnus, là. J'aime bien ça. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, j'exagère peut-être un peu. Oh, un copain poulailleur.
Monsieur Poulailleur. What's the problem? I bought a whole shipment of birds from the mainland, but they keep losing. I think they must have been feeding them sawdust or something. Remind me not to bet on them. Yes, exactly. I'm just about bankrupt. My only hope is to get the insurance money on the shipment. And my truck. Your truck? If someone were to steal it and run into the harbor, I'd be safe. Damn. Mais... Chicken congee. Mais non. Mais t'es pas un vrai poulailleur, toi? Mais... Oh, putain. Je suis obligé d'agir dans cette direction-là, car c'est bon pour ma couverture. Jamais personne ne doutera un seul instant que je fus le poulailleur, car agissant ainsi, je renie beaucoup de mes principes. Jeter à l'eau de belles volailles innocentes. C'est pas bon pour mon karma de poulailleur, ça. Oh putain. Cette mission de déglinguer. Allez hop. Et voilà, c'est gratuit. Et on n'aime même pas le produit. Et ça, c'est fort. Bon. Bah, c'est pas mal. Bon, on a fait les trucs secondaires là. Ouais, non, faut prendre la tenue de police. Hein. Même en faisant cette mission là, faut prendre la tenue de la police. Et ben on va retourner encore la planque. Décidément, j'ai l'impression de faire un petit peu le même chemin en boucle. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait trouver aussi les autres qui vendent. J'allais dire des cacahuètes. Je suis pas certain qu'ils vendent des cacahuètes. Ouais, tu sais quoi. Voilà. Oh, le balayage latéral à double talon. Ouais, j'ai inventé la technique là. Assez violent quand même. Je pense qu'on lui a luxé l'épaule, on a fait un truc quoi. Je pense que ça s'est très très mal passé dans sa vie là. Oula. Je suis pas discret apparemment, hein. Je sais pas ce que. Aïe aïe. Mec, il conduit pas droit quoi. Ouais, je vais quand même prendre la tenue. Ça m'embête un peu. J'avais pas envie de faire ça. Parce qu'après, il faudra remettre celle qu'on a actuellement. Donc, c'est-à-dire reprendre tous les éléments un par un. Donc, c'est un peu relou. Ah, mais non, attendez, je sais ce qu'on peut faire. Je sais ce qu'on peut faire. On a la possibilité. Hop. De sauvegarder des tenues normalement. Je préfère ça. Et... Hein? Ah non, mais non. Ah, ça va. J'ai vraiment cru qu'elle fermait son parapluie pour sortir. C'était un petit peu étrange comme façon de faire. Est-ce qu'on peut sauvegarder notre belle tenue? La belle tenue de triade. Mais nique ta mère. Excusez-moi, mais ça me saoule un petit peu. Oh, mais du coup, faut trouver triade 3. Alors, négociateur 3. Triade 2. Triade 3. Voilà, triade 3. Alors, on va prendre du triade 3 aussi. Est-ce que vous avez un petit peu de triade 3, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Très, très, très sympathique. Je vous reprendrai bien un petit peu de triade 3, si possible. Ça me plairait quand même plutôt pas mal. Merci beaucoup, c'est très gentil. 15% d'XP pour la triade, ça c'est très bien. Au chapeau, je prendrai rien parce que c'est bien de la merde. En termes de lunettes, il y a un plus 15%. Réputation. C'est quoi le mieux? C'est peut-être ça, hein. On va prendre ça. En termes de collier, j'ai un truc à 15%. C'est un collier de jade, très bien. Petite montre à 15%, je suis très bien, voilà. Bracelet à 15% sur... Voilà. Donc. Mais. Ah non, d'accord, faut appuyer sur X pour l'avoir. Oh, mais c'est pas très bien fait. Hein. Oh, c'est très bizarre votre histoire. Bon, bref, on prend la tenue de la police de fou. L'expérience triade... Alors, on gagne pas d'expérience triade, mais l'expérience police est doublée. Donc, on va prendre ça.
Parce que les interventions de police, en toute logique, ne nous rapportent aucune XP de triade. Nous intervenons en tant que policier. Je ne suis pas un poulailleur, je suis un policier. Donc attention à votre fichier, car à tout instant, le policier va intervenir sur des opérations très musclées. Bonjour. LOL, la voiture n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Trop bien ça. C'est, je sais pas pourquoi je suis surpris par ça, mais ça me surprend quand même. Oh bah attends. Je suis obligé. Petit casse-croûte. On n'a pas le choix. Ah, régénération de santé, ça c'est bon ça. Ça c'est bien obscène ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un véhicule de police. Ouh. Arrêtez le véhicule suspect. Alors ok, mais va pas falloir éclater le décor. On va pas vouloir perdre des XP. Bon allez, on va mettre un petit peu ça. J'approche. Oh, je l'ai quasiment one shot. Hein. Alors, oups, je pense qu'il faut l'affaiblir lui. je pense que c'est ça. Ouais. Attends, laisse-moi te taser. Je t'assure que c'est pour ton bien. Voilà. Monsieur, il est temps de se faire taser. Voilà, c'est très bien. N'hésite pas. Ah bon, lui il est arrêté. Ça se voit pas, mais il est arrêté. Et lui il va pas tarder, je pense. C'est bon? Non, je sais pas. Oh, mais il y en a un dernier. C'est lequel? Monsieur, laissez-moi vous dire que votre situation est plutôt précaire. Je pense que cette fumée noire peut potentiellement vous tuer, pulmonairement parlant. Je pense que ces petites flammiches peuvent vous tuer en termes de cuisson, de la bonne cuisson. Je pense que tous ces événements peuvent mener à un dénouement de type explosif. Donc cela pourrait vous tuer. Donc je vais peut-être me permettre d'essayer de grimper sur votre véhicule, monsieur. Avec votre autorisation, bien sûr. Monsieur, je ne peux pas monter sur votre véhicule, monsieur. Monsieur, il va falloir m'aider, monsieur. Ok, je reviens, monsieur. Vous inquiétez pas, monsieur. Je suis là pour vous aider, bien sûr. Bien sûr, monsieur, j'ai peut-être marché sur votre collègue, monsieur, mais vous inquiétez pas, monsieur. Tout va bien se passer. Je vais vous sortir de cette situation un petit peu gênante, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais vous sortir de cette situation. Monsieur, arrêtez, monsieur. Monsieur, soyez sous contrôle. Je suis pas violent, je suis policier. On a eu les trois, là, ou pas? Oh, ça rapporte rien en termes d'XP. C'est pour ça que je me dis cette tenue c'est une bonne idée parce qu'on a vraiment un x2. Vaut mieux avoir un x2 que un plus 15% quoi. Par contre va falloir aller Oh sympa aussi ça. Je pense qu'il y a d'autres véhicules sympas aussi à acheter. Mais pour le moment je vais rester sur celui-ci. Parce qu'il est très très bien. Et même je dois l'avouer, il est un peu trop bien. Je dois être honnête à ce niveau-là. Oh, j'ai même pas pété de parc-mètre. Hein. Vraiment, il semblerait que je ne cherche même plus à faire de petites économies. Oh là là. Oh, le gros camion. Ouais. Non. Mais ouais, mais forcément. Oh là là. Oh, mais j'avais tellement peu de distance à parcourir en plus. Oh non, c'est scandaleux. Je dois faire quoi là? Neutraliser les criminels. Faut-tu que je les neutralise Neutraliser.
Criminel neutralisé. Ah. Comment on... Recharge. B pour empoigner le suspect. Bonjour monsieur le suspect. Vous êtes suspect monsieur. Je suis désolé monsieur. Attendez monsieur, je crois que vous êtes encore suspect. Vous aimez ces t-shirts? Non? Vous êtes suspect monsieur. Ouais, attendez, attendez mes collègues, je m'en occupe. Est-ce que vous aimez ces casquettes et ces chaussures? Non? Vous êtes suspect monsieur. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je m'en occupe, je reviens vers vous d'ici quelques instants. Est-ce que vous appréciez ces lunettes? Non? Vous êtes suspect. Vous êtes suspect, c'est tout. Vous inquiétez pas les collègues, je m'en occupe. Attendez, venez par là, venez par là. Est-ce que vous appréciez ces blousons? Comment ça va te faire foutre? Vous êtes suspect, monsieur. Je suis désolé, collègue. Je m'en occupe. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Est-ce que tu aimes bien cette... Arrête de m'insulter. Je suis suspect quand tu m'insultes. Donc vous inquiétez pas, il est sympa. Ça se passe bien. Allez, viens là. Je vais te faire essayer les cabines d'essayage. Comment ça, c'est pas ton genre? Moi, tu es suspect, monsieur. Non, vous inquiétez pas, je vous l'occupe. Est-ce que tu veux prendre possession de ce magasin de... Comment ça, je veux pas te... Mais... Tu es suspect, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon. Là, je sais plus quoi faire de toi. Je pense que dans tous les cas, tu es suspect. Mais, tu es suspect, j'ai dit. À terre, suspect. Tu es toujours suspect? Est-ce que tu es suspect? Là, il y a de la pluie. Et tu sais ce qui est fort sous la pluie? Les tasers. Oh, mais c'est pas vrai. Arrête des suspects. Bon, on va voir. T'es suspect encore là? Allez, suspect hein. T'es suspect là? Ouais. On va voir si suspect. Non mais je sais ce que je fais hein, je vous inquiète pas. Si j'ai appris ça... Attends, faut tanner la viande quand elle est bonne. Voilà. C'est bon? Allez, là il est. Allez, encore suspect. Hein. On doit être basse pour qu'on puisse les arrêter. Bah ouais, mais. J'ai un peu de mal là à lui faire baisser sa vie. Hein. Allez, on tanne un peu. Voilà, on a tanné un petit peu. Est-ce que t'es encore suspect là? C'est bon? Non, toujours pas. Attends, on va tanner le crâne. Allez, on tanne le crâne. On tanne les cheveux là. Encore un petit peu. Ah, t'as eu droit à deux tours là. Allez hop. Bon, t'es suspect maintenant? Oh putain, j'ai beau le remettre sur le trottoir, il va toujours aller sur la route. Hein. Je te dis que t'es un piéton. Bon. Voilà. Attends, tu vas sur le trottoir. C'est bien. C'est très bien sur le trottoir. Voilà. Ah si, j'ai appris ça à l'école, hein, je vous assure. C'est vraiment, regardez. C'est comme ça qu'on interpelle un... Bah oui, mais te mets pas... Ah, mais te mets pas au milieu du... Bah, tu te... Oh putain. Il est en train de me saouler. Non, mais tu pars pas, tu restes avec nous. On est bien, là. Non? Tu te trouves pas? Bon, elle t'a passé, hein. Voilà. Je fais une intervention. Veuillez ne pas trop me juger. C'est exactement ce qui est recherché actuellement. Il semblerait que ce soit la bonne technique pour interpeller ce suspect. Même si j'ai la drôle d'impression qu'il est invincible. C'est bon là? Non bah attends, j'ai pas un flingue là quelque part? Attendez, rendez-moi mon flingue. Y'a pas un flingue quelque part là? Oui, je veux littéralement lui tirer dessus alors qu'il est à terre, mais... Donc, tu vas voir, toi. Oh. Allez, c'est bon, là? Hong Kong police under arrest. Good thing you showed up. I have to admit, UPTU guys are very capable. Vous êtes efficace dans le genre. Ça fait 5 minutes que je suis en train de le tabasser et de le taser en boucle. Ah, c'est vrai qu'il y a une certaine efficacité, quoi. Enfin, je.
Je dois avouer que bon, concrètement, nous maîtrisons le sujet. Nous maîtrisons beaucoup le sujet. Bon, par contre, l'avancée de l'XP, c'est exécrable. Hein. C'est vraiment zéro, quoi. En plus, j'ai raté une petite des trois. On va dire qu'il y a trois niveaux. J'ai eu le niveau moyen, quoi. C'est un peu dommage. Je suis littéralement en train de chercher la radio. Ouch. Je vais pas monter, par contre. Oh, quoique. T'as des. Intervention. Ah bah je me suis inséré quelque part dans le trafic. Oh bah monsieur, vous faites pas d'efforts monsieur. Ah c'est dommage, on n'entend plus du tout la radio quand on sort de la voiture. Bon, j'imagine qu'on considère qu'il est temps. C'est dedans. Alors oui et non, parce que là le GPS te dit un truc un peu débile. Mais non, c'est là-bas qu'on doit aller. Mais toi, le GPS est drink ou quoi? Je crois bien. Hein. C'était dans le premier Saints Row où, de souvenir, on pouvait entendre la radio de loin. Et le premier Saints Row, c'est vieux. Hein. C'est vraiment, vraiment vieux. Donc c'était assez cool à l'époque. Bon, bah on va intervenir. Hein. Bonjour. Je suis l'intervention. Pardon. J'ai tué une casquette. Bonjour, monsieur. J'interviens sur les situations compliquées. Je neutralise les agents gênants. Bonjour. Je viens vous casser la bouche. Voilà. Hop là. Je peux vous neutraliser, monsieur? Est-ce que c'est bon, là, monsieur? Oh, je crois qu'on va encore s'amuser un moment, là. Ok. On va essayer de voir. Non, je vais pas le flinguer, ça va encore poser problème. Est-ce que je peux le choper comme ça? Ah voilà! Mais non, mais ils sont pas précis du coup. Faut vraiment les plaquer. Faut véritablement les plaquer, c'est ça l'action qui débloque la possibilité. Ah, j'ai pas eu les trois? Ah, j'ai dû frôler un truc. Je veux bien y croire, j'ai pas trop fait attention. Uniforme de l'élite, de l'unité d'élite. Parce que j'ai l'air de pas être de l'élite. Parce que... Bonjour monsieur. J'ai pas l'air d'être de l'élite moi. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir votre opinion de vous-même sur ce qu'il en est de mon apparence actuelle. Suis-je professionnel? Je crois que je suis professionnel. J'ai l'air de l'élite ou j'ai pas l'air de l'élite? Mais je suis de l'élite moi. C'est quoi ces conneries encore? Oh, ils vont m'entendre au bureau. Hein. Bon d'accord, c'est vrai que je vais plus dans le bureau depuis longtemps. Hein. Qu'est-ce que c'est quoi dans les oeufs? Oh, je suis Ninja Tune Radio, qu'est-ce que c'est conneries encore? Roadrunner Record. D'accord. Real FM. Non, Real FM, ça c'est pour les rimes. Donc le son. Ouais, je crois que je suis pas un vrai, comme ils disent. Ah bah tant pis, je suis pas un vrai, de toute façon le devoir m'appelle. Finalement je voulais faire cette petite mission, des fois c'est un peu rigolo, mais par contre si c'est tout le temps les... J'ai un timer. Hein. Alors. J'ai un petit problème. Je crois que je vais être absent pour cette opération. Je crois que malheureusement. Oh, incroyable. Et j'ai fait ça pour aller là. Oh. Ah non, attendez. Non, je recule. C'est bon, c'est bon. Ah, ça s'est mal passé. C'est vraiment le mec, il arrive avec le camion d'intervention. Ok. Alors, je vais là-haut. Retrouver l'unité d'élite. T'inquiète pas, je vais retrouver l'unité d'élite. Bonjour, monsieur l'unité d'élite.
Ok. Oh putain. Oh, je mangeais pas trop manger ce matin parce que putain, oh, je crois que j'aurais. Moi, oh, j'aurais mal fini. Hein. Alors. Eh, hey, tu me vois ou tu me vois pas là? Oh, je sais pas si tu me vois. Oui, mais je suis l'élite. Je suis unité d'élite reconnue de tout Hong Kong. Je suis l'élite. Mais c'est fou. J'en ai gagné que deux là. Je pense que ces petites missions là, en fait, elles sont limitées à deux. Tu peux pas en faire trois. Tu peux pas avoir les trois. Parce que sinon, tu monterais ta barre d'XP de police trop rapidement, je pense. Mais peut-être que je me trompe. Ouais, tu vois, si je suis pas de l'élite. Je suis pas de l'élite là. Regardez ça, ça c'est l'élite ça. Ça, ça y est, c'est que l'élite. C'est que l'élite qui a droit à ça. Ah, ça on aime bien ça. Est-ce qu'on peut mettre la radio? Ok. On peut mettre la radio, très bien. Très perturbant. Ah non! Mais qui c'est le con qui s'est garé là? C'est pas incroyable! N'importe quoi! Oh! Insupportable! Ah, je peux pas changer de radio là par contre. Allez hop! C'est pas moi qui ai cassé parce que moi je suis l'élite. Hein. Moi je peux pas casser le décor. Oh! Petit barbecue. Alors. Oh alors. Bon bah toi déjà. On va pas chercher midi 14h. Toi aussi. Bonjour monsieur, on va vous taser. Ah, vous vous relevez? On vous retase. Ah non, c'est bon. La zone est désormais pacifiée. La zone est désormais pacifiée. Je suis un agent d'élite. Et je pacifie notre cité. Bonjour. Vous m'avez cadré là, vous m'avez pas cadré. Je suis agent d'élite. Bonjour. Je suis agent de police. Je suis un agent d'élite reconnu. J'ai l'impression que vous me cadrez pas comme il faut. Enfin, il m'a dit qu'il me cadre. Bonjour. On me voit plus du tout là. Je suis agent d'élite. Oh putain. Oh Peter. Oh Peter, c'est rigolo. On va garder cette tenue pour faire ça. Pour faire ça. Pour faire la compte parce qu'on va gagner x2 d'XP de la police. Et moi je veux bien. Je veux bien. Ça va être bien. Oh t'es chaud. Me laissez passer l'élite, madame. Oh, oh. Oh mais c'est pas vrai. Pff. Ah bah oui, bah c'est l'élite. Hein. Putain, le poule ailleurs. Ah bah oui, c'est l'élite. Hein. Oh merde. Oh, c'est parti en vrai en 2 secondes. Quoi. Est-ce qu'on a dit qu'il y a la radio là-dessus? Ok. Ah, c'est parti en vrai. Ok, d'accord. You're about to hear the instrumental version of Miles to Go from Stateless, fronted by Chris James here on Ninja Tune Radio, followed by the Floating Points remix of Take. Oh, c'est parti. Mais non. Ils vont parler? Ah, d'accord. Non, non, non. Mais arrête. Oh, je te jure, ça a switché le truc. Ça a changé. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je suis vraiment en train de chercher des radios. Lucy and Hawks Radio. Ouais. On va faire un tour complet là. Mais jure, je suis jeune de la paix. Mais dis pas que je l'ai poursuivi avec ça parce que. Attends, quoi? Mais c'est classé quand il nous. Avec des classes C? Mais Enfin, moi ça me paraît assez évident. Non? Ah, j'ai gagné là, je pense. Hein. Allez hop, c'est gagné. On va faire quoi là? T'es sûr qu'il faut finir la course? Je suis pas sûr. Hein.
le meilleur véhicule, casse-toi. Casse-toi. Putain, oh merde, j'ai des dégâts de... Oh, mais ça va être trop dur. Attendez, je me concentre. Je suis concentré de ouf là. Cassez-vous. Merde, les dégâts, faire attention. Je suis de la police quand même. Mais c'est quoi, c'est une sortie extrascolaire, je comprends pas. Je suis spécial. Je suis encore en train de suivre mes classes. Donc je suis en train de vivre quelque chose. Je comprends pas. Oula, le trottoir était bizarre. Ah, j'ai perçu mon salaire de manière indirecte. Il semblerait que le péage, enfin le parcomètre, soit tombé tout seul. Bon, bah on n'a pas les trois, mais c'est pas... Super flic. J'ai fait le succès super flic. Oh, voilà la quantité d'XP. Ce radio m'a tué. Ce radio m'a buté, quoi. Incroyable. Par contre, j'ai pas bien compris cette mission. Putain, mais c'était vraiment la mission, quoi. What the fuck, bro. Bon, on va changer de tenue là-bas, parce que c'est un petit peu ridicule, là. N'importe quoi. Ah, faudrait que je trouve les endroits où on peut récupérer des trucs pour l'appartement. Ça pourrait être sympa. Au pire, je peux aller chercher sur l'internet, sur le coucous, comme dirait Globtopus. Coucous. Cherchez pas le coucous, c'est l'internet. Ça me fait beaucoup rire. Je ne devrais pas autant rire pour quelque chose de ce genre, mais bah, ça me fait rire. Ok, bon, la prochaine mission du gang, c'est dans le restaurant. Mais c'est bizarre, ils avaient fait une descente dans le restaurant. On pouvait plus y retourner. C'est bizarre. T'es sûr? Oui, ouais, t'es sûr, hein. Je suis un agent spécial. Je suis des forces spéciales. Et il semblerait que j'entende de la musique dans mes oreilles. J'ai l'impression que je peux plus faire grand chose. Allez, prends ça. Voilà, très bien. C'est un petit peu gênant. Est-ce que c'est mes oreilles, ça? Il dort. Je comprends pas, quand je dors, j'entends la musique. Oh putain, c'est incroyable. Il dort avec la musique. Tout ce qu'il fait est accompagné d'une musique endiablée. Même lorsqu'il va aux toilettes. C'est un incroyable moment. Alors, rassure-moi. Oh non, ça me rassure pas du tout. Je suis pas du tout rassuré là. Oh putain. C'est bizarre, hein. C'est bizarre le jeu quand même. Hein, ah, c'est bon, tu me rassures? Tu lances pas une autre musique, hein. C'était juste pour cette musique, hein. Musique traditionnelle, c'est pas dans mes oreilles? Bonjour. Je sais que je suis fou, mais je sais pas à quel point. Hein? Ça a l'air de s'être calmé. Ouais, mais je vais trust you, genre de ouf. Genre là, j'ai pas la radio. C'est bon? Je suis plus fou. Je suis plus taré. Ah, par contre, ce qu'on peut faire... je vais aller chercher ça peut-être. Je vais aller sur YouTube. Et je vais aller regarder. Je sais pas, qu'est-ce que je peux chercher. Sleeping Dogs. Ouais, définitive édition, tu veux.
appartement. Hall, apartment, upgrades. Yeah. On va prendre ça, hein, ça va être pas mal. Help me slide it into... Ah, ça, c'est la boîte de nuit, on l'a fait. Le prochain un peu chelou. J'ai pas trop compris sa position. On va faire ça, écoutez. Moi je suis bien partant. C'est un peu par là. Un peu quelque part par là. J'ai pas vraiment compris. Ce que je propose, c'est quand même de s'y rendre. Parce que je suis intrigué par... Déjà, si on a 3 ou 4 par appartement. On en a eu 2 ou 3. 2, hein. Pour le moment, on en a pris 2. On a pris le canapé tombé du camion. Et on a pris le tapis. Mais c'est un joli tapis, quand même. C'est faux. Il est dégueulasse. Il est absolument immonde. Je le trouve absolument dégueulasse. Ce n'est pas que visuel. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que... cet achat d'occasion était une erreur. Et c'était une erreur. C'est-à-dire que je n'avais pas payé pour recevoir l'odeur de ce tapis. C'était peut-être un peu trop. Voilà. Peut-être était-ce une forme, quelque part, de générosité, hein, de ce vendeur. Mais j'avoue que c'est une forme de partage dont je me serais passé. Voilà, globalement. J'imagine que de son côté ça a été fait avec bon cœur et de bonnes intentions, mais il est vrai que au final ce ne fut pas des plus appréciables, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter par terre comme ça, hein. Vous voulez pas de cette mallette? Vous en voulez pas? Bon, bah, ok, allez. On va acheter des trucs pour l'appartement. Oh bah t'es juste là, toi. Tapisserie de dragon. Hein? Elle a l'air très ancienne. Mais elle n'est pas démolée. 3000, c'est pas très cher. Hein. Je peux payer avec la manette? J'ai l'artistry. J'ai le parfait compliment à un single man's living space. Bah déjà, je te permets pas de me juger comme ça. Tu veux envoyer tes meilleurs gars? J'ai comme, genre, peut-être, moi je crois que c'est ça, j'ai pas confiance, je crois que c'est à peu près ça. Je vais aller chercher sur YouTube, hein. Hop, je vais aller regarder, donc ça c'est celui qu'on vient, à qui on vient d'acheter la tapisserie, donc on est très content, je cherche, la prochaine... donc là, on a fait 3 achats. Peut-être y en a-t-il 4. Ça serait par là. Ça serait par là, j'ai pas trop compris comment. Juste un emplacement assez global. Ah, mais ça me dit peut-être quelque chose. On va voir. En tout cas, une tapisserie dragon. Alors, est-ce que ça fait tout l'appart? C'est quand même un peu bizarre, une tapisserie dragon. C'est pas genre la tapisserie que tu veux quand t'es gamin et que tu tannes tes parents pour avoir la tapisserie dragon. Et que, en fait, une fois que t'as la tapisserie dragon, si tu l'obtiens, t'en as absolument rien à carrer. Et en plus, bien évidemment, c'est la tapisserie qui coûte la peau du cul. Alors qu'il n'y a rien de spécial. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, j'espère que cette fois-ci, ils vont prendre ma mallette. Enfin, ma mallette. La mallette. Voilà, la mallette. Bonjour. Puis-je payer votre vase antique avec cette belle mallette qui m'appartient absolument depuis... Oh, attendez, comment vous avez fait... Putain, elle est forte, hein, elle a monté l'escalier, je sais pas faire, moi. Il est passé entre des mains, pour le moins douteuse. Mais il pourrait être à vous. What are you selling? Ming Dynasty. Absolutely authentic. They double in value approximately every 100 years. Okay, I'll take it. Put it somewhere safe. Perhaps I'll have my girls look at your place when they deliver it. Find the right spot. D'accord.
Je suis persuadé qu'effectivement il va prendre, il va doubler sa valeur tous les ans. Bien sûr. Ouais, touche, tout à fait. Bien sûr. Ouais. Yes. Tout à fait. Putain, lui, il a réussi à monter l'escalier. Je suis en train de voir sur YouTube. Moi, j'ai pas pu. Hein. Ah, et après, ça a l'air d'être dans une autre ville. Enfin, une autre ville, je me comprends. Donc, à mon avis, on pourra pas. Je pense qu'on a effectivement atteint là le dernier objet achetable. Et ben, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y rendre à la planque. Et on va garder notre mallette. On va essayer de garder notre mallette un petit peu. On va aller voir à quoi ça ressemble. On a acheté la tapisserie dragon, tel un enfant qui fait son caca nerveux. Et on a acheté. Un vase. Un vase antique qui va bien évidemment doubler sa valeur tous les 100 ans. Et j'avais une chance incroyable. Car il a dorénavant 99 ans. Oh, c'est fou quand même. Et il vient du temps Ming de je sais pas quoi, ça fait. C'était pas il y a 99 ans. Chut. Ne cherche pas. De toute façon, tu connais pas l'histoire, alors c'est pas grave. Ça, oulala. Ça va déranger personne qu'on dise qu'il a 99 ans, c'est bon. Est-ce que je peux refaire la dinguerie? Attendez. Oh non. Mais je veux rentrer dans ma maison. S'il vous plaît. Oh. Mais j'ai acheté un. Je vous assure, j'ai acheté. Alors, j'ai perdu ma mallette. Tu vas me donner ton parapluie. Oh, mais même ton parapluie a disparu. Merci. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé ma mallette. Non, c'est pas. T'inquiète pas. Ah, j'ai ma mallette. Je vois le vase. Il est un petit peu décevant. C'est juste un vase blanc dessiné dégueulasse dessus. Oh, il est dégueulasse. Je me suis fait arnaquer de ouf. C'est pas incroyable. La tapisserie dragon. Ah, c'est ça? Ouais, il est ouf. La grosse tapisserie dragon. Grosse tapisserie dragon, ouais. Et j'ai dépensé. Au moins le canapé, il était peut-être tombé du camion, mais il valait le coup. Ah non, le tapis est pas mal. Bon, il y a juste l'odeur qui va avec, mais le tapis est pas mal. C'est quoi, je veux poser ma mallette sur cette table basse. Pardon, ça c'est mon portable. Voilà, parfait, très bien. Très bien posé cette mallette. J'ai pas d'SMS parce que de toute façon, j'ai pas d'amis. Est-ce qu'on peut prendre une shower? On peut pas prendre. J'ai pas le droit. On me refuse tout. Bon, mais je crois que cet appartement est amélioré au maximum. Si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire, au vu de ce que je vois, il y a d'autres améliorations. Donc à mon avis, il y aura peut-être d'autres planques. Ce qui est pas déconnant, parce qu'il y a d'autres villes. Ce réveil est extrêmement agressif. Je pense qu'il y en a une autre à Kennedy Town et une dernière à Aberdeen. En tout cas, voilà, on a bien avancé. Prochaine fois, on aura juste à faire futur marié. What the fuck, what happened? On a juste à faire ça. Ah, je pourrais peut-être faire ça aussi. Le tournoi du Zodiac. Oh, ça peut être drôle un peu. Ça peut être un petit peu rigolo. Parce que les trucs d'arts martiaux, c'est juste pour gagner 10 000. Ou peut-être que c'est 10 000 à North Point, mais c'est le plus simple. C'est peut-être plus à Central Park. Enfin, à Central, excusez-moi, lapsus révélateur. À Central, mais c'est plus difficile. Et pareil avec Kennedy Town et Aberdeen, peut-être. Pareil pour les combats de coq, mais les combats de coq, ça m'intéresse vraiment pas. Et les tables de jeu, c'est encore pire. Je déteste tout ce qui est jeu d'argent, que ce soit dans les jeux ou dans la vraie vie. Je peux pas saquer ça. Ça me... Ça me repousse, tout simplement. Et ben voilà. On a déjà bien avancé. Donc on va. Sauvegarder. Ouais. Alors avant de quitter. Avant de tout couper.
Je vais juste déjà quitter le jeu. Voilà. Encore. C'est pas fini. Voilà, très bien. On va ouvrir. Je viens de voir que j'étais encore en train de bosser sur les règles périples alchimiques sous D&D. Ouais, c'est pas fini. J'ai bien avancé. En vrai, j'ai vraiment beaucoup avancé. J'en suis très content. Donc, on va aller sur l'écriture. Hop, c'est pas la bonne serre. On va plutôt prendre ça. Voilà, c'est en plus gros. Donc, on va résumer notre petite session en 4 points. Et ces 4 points serviront de base et de contrainte pour la création du personnage. Non pas demain. Enfin, sauf si je le fais demain matin, mais si je souhaite rien assurer. Soit demain matin, soit après-demain, globalement. Non, je veux pas écrire avec la manette 360. Non, c'est là une manette. Je crois que c'est Xbox One. J'en sais rien. C'est une manette Xbox, quoi. Je sais pas laquelle. Donc, quelles contraintes on va écrire et avec pour but que ces termes-là résument aussi un petit peu cette session de jeu. Déjà, je sais, il y a l'agent spécial. Alors là, on avait un agent très très spécial, quoi. Agent spécial. Non, c'était quoi le terme qu'il disait ? C'était pas agent spécial, c'était... Si ? Non, c'était pas agent. Je crois que c'était spécialiste. Je crois que c'était spécialiste, ça me fait rire. Ok, on a ça. On a le vieux papy. Non, le vieux. Ouais. Hmm. On va juste mettre le vieux au pire. On va dire qu'il y a le vieux. Voilà, il y a le vieux. Attends, je sais. Le vieux qui fait disparaître les gens. Voilà, le vieux qui fait disparaître les gens. Non, attends. Le vieux gentil. Le vieux gentil qui fait... Oui, mais attends. Le vieux gentil qui fait disparaître les gens. Donc on a un spécialiste, on a le vieux gentil qui fait disparaître les gens. qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a acheté des trucs, genre pour améliorer l'appartement. On va dire acheter un tapis qui pue, voilà. On a acheté un tapis qui pue. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On a... Il y a Roland qui nous emmerdait à pas vouloir interagir avec nous. On va pas faire ça. On a fait la course et on a gagné avec nos vieux vannes. Mais c'est pas forcément le truc super cool. On a fait des arrestations musclées. Mais ça, on l'a déjà fait, arrestations musclées comme contrainte. De l'acharnement. L'acharnement physique. Voilà, on a vraiment fait de l'acharnement physique. Voilà, sur le suspect. Donc voilà, on a un spécialiste. On a le vieux gentil qui fait disparaître les gens. On a acheté un tapis qui pue. Et un acharnement physique. Donc on résume en soi la session. On pourrait parler de la valise. On pourrait parler de plein de choses dans cette session. Il s'est passé moult choses. Assez improbable, mais je pense que ça résume bien et que ça permettra de créer un personnage assez intéressant. Je sais pas si intéressant c'est le bon terme, mais en tout cas ça peut être rigolo. Ok, donc on va partir là-dessus. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. Je dis merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Terminez bien votre journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ça, et plein de bonnes choses à vous. Et sur ce, au revoir. Et à une prochaine.